Yes. Allô. 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 L'activité d'aujourd'hui consiste quand même à lancer un programme économique, comme les multiples initiatives du maire, comme ça, qui accompagne souvent les OCB, les organisations communautaires de base, notamment pour ce qui est des groupements féminins. Donc aujourd'hui, spécifiquement, ça concerne le lancement d'un programme économique dénommé Calebasse du Progrès. Calebasse du Progrès, c'est en quelque sorte vraiment un appui pour le droit de femmes et aux femmes de manière générale de la commune qui se sont organisées, je crois, en Gilles, mais qui manquent souvent de moyens pour vraiment financer leurs activités. Donc c'est un outil qui va venir renforcer l'existant parce que c'était déjà organisé, souvent en calebasse ou bien ce qu'ils appellent les quêtes ou bien des avec. Mais ça, c'est un outil qui va venir compléter tout le dispositif pour accompagner l'éducation des enfants, pour renforcer ce qui est l'épargne des femmes, mais également faire en sorte que les femmes puissent leur partition dans le développement économique local. Donc l'outil principalement vise à cela, et ça va permettre aussi de raffermir les liens entre femmes. Ça va permettre de renforcer les liens de solidarité, parce que comme vous le savez, avec le Calebasse du Progrès, ça va permettre d'enrôler les femmes membres de ces calebasses dans la cellule d'accompagnement à la maladie universelle, ce qui va permettre quand même de réduire les coûts liés aux soins de santé. Donc ça va permettre quand même d'accompagner ou d'assister les familles de manière générale. Donc c'est tout le sens de l'outil du programme économique qui sera lancé aujourd'hui, qui est le Calebasse du Progrès. Oui, bon, je dirais que, comme vous le savez, c'est un fonds d'impulsion qui va accompagner toutes les initiatives femmes, mais qui aujourd'hui s'adresse vraiment au Calebasse. Et pour le moment, ils se sont constitués en groupe de 50 par quartier ou à l'échelle village, en fonction de la taille du village ou du quartier. Aujourd'hui, ce sera pour le moment des montants pour démarrer de 50 000 francs. Parce que de l'expérience que nous avons des femmes, ils nous ont dit qu'ils ont démarré avec des sommes souvent même moins de 10 000. Aujourd'hui, le maire a dit qu'il faut qu'on les accompagne à monter en puissance. Et c'est cette montée en puissance qui motive en quelque sorte cette enveloppe qui sera juste un appui pour le début, mais ce sera sous forme de revolving, parce que ces femmes, après avoir en tout cas fait leurs achats en marchandises ou en tout cas déroulé leurs activités, ils devront maintenant continuer à renforcer le fonds, et ça va faire quand même que l'outil sera pérenne, et le maire aussi va, en fonction des besoins, renforcer l'enveloppe destinée à ce fonds. Oui, d'abord, vraiment m'incliner, parce que, comme vous le savez, monsieur le maire, c'est le premier citoyen du Calebasse, c'est le premier magistrat. Tout ce qui touche à sa population, d'abord, il est le premier à être affecté. Il a usé, il use de tous ses moyens pour vraiment résoudre le problème d'eau. Maintenant, il ne peut pas être dans la rue en tant que maire, mais quand même, tout le monde sait qu'au niveau du Conseil des ministres, où il siège, il a défendu le dossier de notre Calebasse. On a vu des villages connectés récemment, mais c'est vraiment des efforts qui doivent continuer. Ce qu'il faut surtout éviter, c'est de dire que les revendications ne sont pas fondées. Non,
nous sommes des Diobassois. Et j'ai dit que nous sommes les premiers à être affectés s'il y a un manque d'eau. Et il y a manque d'eau. Parce que, vous savez, récemment, il y a des aménagements au niveau même du ministère de la gestion de l'eau au niveau national. La SDE qui a cédé la place à Seine-Eau. Donc, pour dire que c'est un problème qui n'est pas un problème local, mais c'est un problème structurel que le gouvernement du Sénégal est en train de résoudre. L'eau n'est pas une compétence transférée aux collectivités locales, mais n'empêche le maire, n'étant même pas ministre en charge de l'eau, vraiment s'est battu pour que quand même il y ait des solutions, même si ce n'est pas des solutions qui couvrent toute la zone, comme partout au Sénégal. La manifestation est au droit. Nous sommes dans un état de démocratie. Je pense que le maire, comme je l'ai dit, est le premier à être affecté et il ne peut pas manifester comme les autres, mais il fait tout pour résoudre le problème. Et comme je l'ai dit, il y a des débuts de solutions. Ce qu'il faut éviter maintenant, c'est que la politique politicienne prenne le dessus sur des choses comme ça, des revendications légitimes de population, parce qu'on ne joue pas avec des questions qui sont très sensibles. Donc c'est pourquoi vraiment c'est l'invite que je fais aux uns et aux autres. C'est des questions d'intérêt local. Il ne faudrait pas que la politique politicienne ait le dessus. Lancer bien du programme parce que comme vous le savez, monsieur le maire Alioune Sarr a une initiative de Paris où il est pour accompagner ce que vous savez, c'est le courrier qui est dans les gorges, surtout Walou Djigeni, qui est le GPFI, qui est en train de faire un programme qui est dans le programme qui est dans le calabasse du progrès. Le calabasse du progrès est un programme qui est dans le monde, renforcer les filles qui sont dans les gorges, parce qu'ils ont des gens qui sont dans les gorges, ils ont des gens qui sont mais mon outil pour moi Andy, moi vraiment dolel ñi nga xamné ñoy femme yi nek ci dëkk yi mën nañu constituer un groupe de 50 manam mbotay juroom fukk yo xamné manam dañ leen di accompagner ci financement ndax jigéen ñi bu ñuy démarrer seen activité yu mel non yeen say dañ lay naan ñu démarrer wuñ sax ñaari jundi ñu démarrer mutu ñaari jundi maintenant le maire né vraiment il faut que ñu dolel loolu bu baax bu dolel ko nak ko xamné xeyna ramna ak ñaari jundi wala lu ko mutul bo ñewé nga jox ko fukki jundi xamna suba mën nga espérer mu jural ko ay kom kom yu bare bare té lolu li nga xamné mo tax mu jox aussi moy dimbali jangum xalé yi parce que xam ngeen ni yaay yi ma sha Allah ñoo nekk fu nekk donc tay ku len dimbali yaangi dimbali njobot benen bi aussi moy fexé jigeen ñi ci bokku yépp ñu aaral leen ci li nga xamné moy couverture maladie universelle nga xamné dafa nekk programme président de la république tek mu mëna dimbali njobot aussi parce que ko xamné bo ci bokké bo narona fay 5000 1500 ngay fay 3500 yi mom mu fay ko defal am solo la benen bi aussi moy vraiment walu épargne bu mën di denc pour que suba sen yenn soxla yi duñu am fuñ koy joyé mais sen épargne bobu sen denc bi dina mëna tax ñu jël ko vraiment def ci yenn activité. Tay defena damay commencer ci tour maire Massaou yi nga xamné moy population Diobass ak population Sénégal parce que yalla dogal na monsieur le maire li nga xamné tay xewna ni ñi genn di wax walu ndox defena dañ ko ci fekk ndax mom dafa am lo xamné mënu ko mënul genn manifester ci mbéd yi waye mom li nga xamné moy ay moy administratif am manam bind ak dox ak wax li nga xamné fofu lañ ko wara waxe mu conseil des ministres ku nek gis na communiquer li nga xamné wax nañ ci lolu kon maire lolu defena mom la jëk ma
manam mom la jëk interpeller li nga xamne nak mom lañu wara wax moy vraiment ku nek gis na djégo ñu ci def ba dëkk yu bari récemment rek amna yo xamne connecté won nañ leen waye comme li ñuy wax daanu dajul souf comme daanu dajul souf nak ya di manquement yoyu nak dafa nek lo xamne c'est national ndax ku nek gis na ni fan yi SDE jogé na fi ñu andi seno kon lool dafa nek problème yo xamne des problèmes locaux mais c'est des problèmes nationaux mais téwul monsieur le maire ak ñu koy def ci yépp yi nga xamne laal na doomu Sénégal laal doomu Diobas ñu ci taxaw def yépp lay katanam encore une fois li ñuy bañ rek moy nit ñi yu mel ni nga xamne c'est très noble nit ñi jël ko diko politiser wala def ko lo xamne c'est la politique politicienne ndax li kat dafa laal lo xamne lu sensible la du li ñuy fowé du li ñuy utiliser à des fins politiques donc lolu vraiment la am dëgg ba ci wax merci.